devrais peut-être lui redemander. Et puis ça nous éviterait de passer par le bourg du Loret pour entrer à la ferme avec les bêtes. Et qui bien que t'as raison, je m'en occupe. Ah bon, j'y vais. Peut-être que je leur parle de notre charmant voyage. Qu'on leur fait adorer, soi-disant perdu pour se faire accompagner 3 heures plus tard complètement blindé. Je t'en ai déjà parlé. Alors écoute-moi bien. T'es gentil, t'arrêtes ça tout de suite et on passe un week-end tranquille. Un week-end tranquille? Alors, on va attendre un petit peu, non? C'est vrai quoi, on a peine arrivé, tu allô maman, on se voit quand? Heureusement qu'on capte pas ici, je suis sûr qu'elle serait capable d'appeler pour savoir pourquoi on s'engueule dans ta cour. Et voilà, t'es déjà agressif, une fois de plus, comme d'habitude. Mais c'est pas vrai, c'est de ma faute à moi si t'aimes pas ta famille. Merde. Écoute, je sais pas si j'ai envie de continuer, ok? Quoi, mais tu peux pas tout lâcher comme ça? Sous prétexte que madame, pardon, mademoiselle, décide qu'elle a envie de je ne sais quoi, mais qu'est-ce qui t'a fourré dans le crâne, ce mec? Écoute, je suis désolée, j'y arrive plus, c'est tout, ok? Je suis fatiguée, j'ai besoin d'être seule. Fatiguée, c'est sûr, on voit même plus le week-end. Merde, Emma, on est sur le point de se marier. Je sais, j'ai besoin de temps, c'est tout. Papa, maman, c'est moi! Je comprends pas. J'ai fait le tour des chambres, de la maison, la voiture est garée devant, la table est prête. Ils savaient qu'on venait. On t'a regardé dans le cellier? Ouais. Rien. Tu peux t'arrêter 2 minutes qu'on parle un petit peu? Il y a un truc qui m'échappe, là, c'est pas dans leurs habitudes. Tu veux me fuir comme ça? Je suis qui pour toi, là? Oh, c'est bon, c'est pas le moment. Essaye de les appeler. Mais tu sais bien qu'ils n'ont pas de portable, ils détestent ça. Et on calme-toi. Oh, c'est le genre de truc qui m'énerve. Ok, ce que tu m'as dit là tout à l'heure, t'étais sérieuse? Non, oh, c'est pas le moment. Pourquoi? Il faut bien qu'on parle. Pourquoi tu m'as fait venir ici alors? Arrête ça! Quoi? Bah, c'est moi la psychotique là? Oui, bah ça c'est toi qui... Mais regarde-toi! Vas-y, rends-toi et tu le fais un feu s'il te plaît. Ça peut te rassurer de donner un petit peu de temps pour repenser à tout ce que tu m'as dit? Quelque chose avant dans tout ça.
fait. C'est pas vrai, ça. Regarde-toi maintenant. Regarde-toi. Vieux, hein. Tu peux me donner le bilan? C'était la femme stationnaire, l'enfant aussi. On y va? Pareil à lever? Levez! Alors, les négociations ont pas dû être faciles, t'étais long. Ça a été dur, mais on peut considérer que l'affaire est faite. C'est comme notre terre. Ça nous coûtera une bouteille de calva par mois. T'es coulé. Faites gaffe, c'est à moi, j'éterre.